Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starship Trooper. Je vous fais pas la petite affiche, vous savez pourquoi vous êtes là. On va se fight sur Raising Hell avec. Enfin, on va essayer de reprendre du coup probablement une raffinerie. On doit tuer 15 parasites avec la traînée de feu des bipèdes d'ingénierie. J'ai même pas eu le temps de les monter de niveau mes bipèdes. Et construire 5 tourelles dans l'enceinte. C'est parti. Alors, les bipèdes ils sont un peu fragiles, je trouve. Ils sont sympas pour tanker, mais face aux unités régulières des arachnides, là, ils font un peu mal. Listen up! Hephaestar Corps needs the central transport hub. And what's good for Hephaestar is good for the Federation. So we're gonna be taking it back from the bugs today. Glad to see you're finally coming around, Captain. We appreciate the Federation's continued cooperation and partnership. Oh, give me a break. Recapturing our comms facility just south of the hub will give the MI a strategic base to operate from. J'ai mis le truc calculé pour que ça passe pile poil. Alors. Tell us what to do. Engineers, follow me. Roger that. Engineers, stash your tools and move out. C'est parti. Visiblement, c'est là qu'on va descendre. Waouh, 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 waouh. Mec, arrêtez-vous là. Balancez-nous une grenade. Vous déployez-vous. Engineers, roger that. Ok, il y a du peuple. Engineers, follow me. Sir, let's go. Tell us what to do. Your tools and move out. Alors, on va pouvoir prendre ça. On a un centre de commandement, un dépôt de provisions, un centre engineers, de soutien. Follow me. Engineers, report. Roger that. Roger that. Et un dépôt de provisions. Roger that. On va le capturer du coup le dépôt de provisions. Je pense qu'il est en hauteur de toute façon. Comms base is operational. Ok, parfait. C'est ouvert. Base secured. Now to clear the surrounding hives. So the bugs can't flank us on our assault. Un petit officier, ça peut être pas mal. Plan. So good to be working with real professionals. We believe in service, ma'am, not personal enrichment. Cette bataille entre les mercenaires et la Fédération, c'est assez bien fait en vrai, mais c'est rigolo quand même. Ici, il y a un portail détruit, mais il y a un truc qui coince, donc ça devrait être à peu près safe. Il y a une tourelle mitrailleuse. Pour l'instant, on peut pas construire d'autres trucs de toute façon, donc. Roger that. En avant. Roger that. Roger that. Voyons un peu ce qu'on a. This way. Ah oui, là il y a un peu plus de monde, on va laisser les ingés gérer ça. Cette unité-là n'a pas ce qu'il faut pour tirer, on va la monter. Alors, ruche, ruche, une cage de provisions. Tant que c'est que de la saloperie comme ça, ça va, franchement. Alors, la ruche, elle a quoi? Elle a que ce truc-là? Ok, très bien. Commence à s'approcher un peu, mais ça va. Quand même capable de faire le taf. Approchez-vous. Ok, on monte à l'assaut. Est-ce que ça va cramer là? Ça va tirer, on va dire plutôt. Ah là, il y a une entre. T'es capable de tirer ici? Ça va nous popper dans le dos, j'aime pas quand ça nous pop dans le dos, bien sûr. Venez là, vous. Vous avancez aussi. La petite flamme par là. On va pas avoir le temps, on va avoir une aggro dans le dos, malheureusement. Grenade par ici. Toi, t'es trop exposé là, avec ce qui va nous sortir dans les fesses. Rapproche-toi par là. Toi, viens là. On va devoir attendre que ça pop ici, on n'a pas le temps d'y aller. Allez, viens, 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 viens. On émine ça vite, teuf. Ça devrait être assez rapide.
normalement on devrait pouvoir le nettoyer avant que les autres arrivent. Voilà, on envoie ça là. Là on va utiliser eux pour tenir la zone pour le moment. On va aller chercher la cache de provisions après. Et allez, allez-y. Hive eradicated. Parfait, un petit soutien. On va aller prendre ça, vous, vous nous rejoignez. Toi tu vas allumer ce truc là. Déployer par là, on a récupéré des provisions. Qu'est-ce qu'on peut recruter? Un petit opérateur radio pour le renfort, c'est pas un mal. T'as des cailloux qui te gênent, je comprends bien. Des frelons bombardiers. Ces petits arachnides volants foncent sur les ennemis avant de détonner au moment de l'impact. La puissance de l'explosion peut déchiqueter un homme en deux et traverser les blindages. Ok, alors il va nous falloir plus de mecs comme ça du coup. Parce que c'est eux qui vont les gérer très clairement. On va prendre ça pour éventuellement essayer de foutre un peu la merde. Go go par là. Parce que là c'est l'attaque là. Oh, pile poil. Notre renfort est arrivé, allez viens. Alors ensuite on progresse par ici visiblement. Merde, il va passer dans une zone qu'on n'a pas explorée. On va le surveiller du coup. Ok c'est bon, il n'y a rien. Là il y a un truc là. Yes sir, sir, sir. Roger that. Une base avec un portail fermé et un terminal. Nickel. Mais d'abord la base. Comms. This way, sir. Stash your tools and move out. Yes sir. Du coup, pas forcément très utile le. Comms base is operational. L'opérateur radio, mais on n'a pas tant pris de dégâts en vrai, hein, donc ça va. Engineers reporting. Roger comms. Roger that. C'est pas si mal. C'est des ruches à 4 les prochaines, ça va pas être la même. Sir, engineers follow me. On prend le terminal. Ah, on peut pas. Stash your tools and move out. Tell us what to do. On n'a pas ce qu'il faut. Sir. On doit nettoyer les ruches. Ah oui, parce que c'est des ruches extérieures. Ok, d'accord. Comms. Engineers follow me. Affirmative. Engineers reporting. Affirmative. Allons-y. Ça va être un peu plus long cette mission visiblement. Celle-là elle est nettoyée donc c'est sir, par ici. Stash your tools and move sir. Out. Roger that. On avance. Tell us what to do. Yes, sir. Allez, tu prends la hauteur. Ok, nickel. Bon angle de tir, mine de rien. Parfait. Stash your tools and move out. Les autres, vous suivez. À quoi ça ressemble? Ici, on peut aller faire un truc ici. Engineers, follow me. Je vérifie qu'il n'y a rien qui nous traîne dans le dos, hein, parce que la. Roger that. La petite saloperie. Tell us what de nid dans notre dos qui nous balance des trucs dans la tronche. Roger c'est grand classique. Sir, vous allez progresser par là, vous. En plein jeu, il surveille là, il y a rien. Ok, attendez que l'ingénieur arrive. Il va prendre la hauteur. Yes, sir. En avant. Ok, une base. Et en plus, la ruche crampe. Elle s'agrandit. Venez là, toi l'opérateur radio, tu vas prendre la base. On a gagné un petit peu de provisions. Captured a forward base. We're gonna keep on pressing until the bugs get the message. On peut faire venir quoi? Une autre unité d'assaut. Et ici, on peut construire. Ah, j'avais pas vu. Du coup, je pourrais déployer ça. Ok, repartez. Excusez-moi, je sais que vous venez d'arriver, mais
Je vais voir si je peux pas plutôt vous remplacer par une petite unité MK. C'est pas dit hein, parce que si ça vaut 3, parfait. C'est parti. Donc là on n'a pas encore ce qu'il faut. Il faut le palier de combat 3 et 2 points. On n'a pas de combat 2 pour le moment. Déployer un palier de combat pour commencer votre progression. Ah oui, ça y est, ça avance, ok. Du coup, toi, tu vas te mettre avec tout ça en deux. Et alors, on progresse soit par là, soit par là. Et ben, on va peut-être laisser quelques tourelles derrière nous quand même. On n'a pas ce qu'il faut. On laisse pas de tourelles derrière nous. Et on avance. On va péter les fesses. Allons par là, j'ai l'impression que c'est plutôt par ici, c'est ça. Prenez la hauteur, l'officier stratégique. Il va monter le temps de recharge. Ah putain, demi-tour. Ah puis en plus il y a gros écran. Non, il m'a touché. Bon, on va se recharger. On va attendre pendant ce temps-là que les flammes s'enlèvent. Parce qu'il nous coince un peu le chemin, n'est-ce pas? C'est parti. Alors, on va juste dire aux unités MK, viser d'abord les frelons bombardiers. Vous aussi. On va aller par là. Répéter lui régulièrement, faut qu'on fasse gaffe. Il y a un grand volcan encore là. Alors c'est de la sacrée ruche là. Il est là. Oh putain. Les enfoirés. Notre mec là, relâche un truc. Hop. Ici, on se soigne. Regarde de pas trop prendre d'avance hein, mine de rien avec les ingés parce que ils ont du mal hein, face aux bombardiers. Nouveau en plus. Reculez, reculez. Maintenant on peut avancer cela. Retournez-vous soigner là pendant que c'est encore déployé, tant qu'à faire. Nous on va progresser par là-bas. Il n'y en a que deux. Il y en a que deux mais ils sont énervés. Ok, volcan, il va nous faire un peu mal mais pas tant. Enfin sauf si on a des mecs qui se jettent dans les flammes comme des cons. Sérieux. Allez, prenez la hauteur. On a récupéré des points. Pas assez visiblement. Qu'est-ce que ça y est. On va prendre un deuxième ingé. L'ingé devant, là. Demi-tour, vous soignez-vous. Oh putain, on s'est défoncé. Notre ingé, il est arrivé. Oh. Ah putain, il y a une attaque derrière, c'est vrai. Donc ça se recharge. Notre ingé est mort. Fuck. Il nous en faut un autre. La ruche, elle est à 3 de puissance encore. À cause de ça. On va progresser un peu. Toi, reviens. Tu devrais pouvoir arriver avant que les enfoirés fassent chier. Ah, il y a un autre truc par là. Ah, il y a un autre truc par là. C'est pour ça qu'il est aussi fort. Engineers reporting.
On a déverrouillé le prochain palier. Il nous faut un petit peu de truc. Permettre de déployer officier de liaison. Parce que c'est très utile. Ah, c'est un officier de liaison, pas un officier radio. C'est vrai. Ici, on va prendre le fusil à pompe. Ici également. Le volcan se fait plaisir. Ou éventuellement ce serait plus pertinent. La ruche est vide. On va envoyer quelques personnes faire le taf. Notre opérateur radio déploie un truc, toi tu te soignes. Ok, c'est fait. On va se passer de l'autre, on va gagner nos points pour pouvoir faire des tourelles. Engineers, you're paid to do as I say, and my orders are to get production running again. Is that clear? Sir. Yes, ma'am. Excellent. Maybe we'll make a citizen out of you yet. Yes, sir. Alors. Roger that. Pas encore nettoyer les trucs extérieurs, on va se détendre deux secondes. Je pense qu'on peut la rejoindre par là quand même. Il y a trois trucs, des tigres, le tigre, ça on connaît, on sait faire. Allez, l'autre il se pointe. Et on s'est fait tuer une unité de... T'es derrière toi. Les frelons bombardiers. Ok, les MK2, ils ont atteint leur truc d'élite. Prendre les grenades anti-aériennes, c'est toujours aidé. Ah putain, c'est trop près. Ok, il y a l'autre truc, il y en a un par là-bas, il y en a un là. Avancez jusqu'ici, vous avancez jusqu'ici pour essayer de se dégager de cette zone si on peut assez vite sans avoir besoin de se soigner. Quitte à le laisser un petit peu derrière nous, demi-tour. Grenade incendiaire a fait long feu, on dirait. Ok, il est temps de lancer un petit appel. Non, il faut ça. Hop, un petit soin là. Pareil pour toi, vous venez de tenir cette zone de front. On va se déployer par là, pour endommager un peu, ça va nous tomber dessus par derrière maintenant. Donc on va se faire gaffe. Toi tu t'éloignes, toi tu vas là. On a des grenades aériennes, mais c'est pas grave, une vraie utilité. Voilà, ça a popé derrière. On prend les lance-flammes pour faire le taf. Sur les bombardiers, c'est pas hyper utile les grenades anti-aériennes. Mais ça peut faire le taf à long terme après. Tant que c'est là, on appelle des renforts. Ah, non, non, il a lancé la compétence. Ah, il a lancé son truc tout seul, ok, intéressant. On va commencer à progresser par là-bas. Allez-y, les gars. Bouge-toi, toi. Un petit peu trop en tas là, ça me plaît pas trop. Cramé de ce côté-là.
vas-y. Toi, vas-y. Les grenades, ça fait le taf. Il n'y a pas de coup de feu. Voilà. Ah merde, on n'a pas eu le temps. Toi on te soigne. Balance un peu de quoi faire le taf par là. Putain, ça arrive dans tous les sens. Merde. Ah là là, on s'est fait annihiler notre unité d'attaque quoi. Dropships engaged elsewhere, sir. Vache. Ça fait tellement mal. Dropships engaged elsewhere, sir. Bon, on est reparti. On en récupère un comme ça, on prend un comme ça. Il nous faut officier de liaison. Non, on va pas commencer. On va essayer de faire l'objectif avec les tourelles là. Allez, allez. On recharge les. On recharge ce qu'il faut. Ça c'est du 1. Ça c'est du 2. Il nous faut un comme ça. Allez, le petit vaisseau. Ok. Et encore un comme ça. On peut commencer à progresser, donc du coup, on va commencer à progresser. En avant. Attendant, ça se recharge. Ok, c'est parti. L'opérateur radio. Toc, 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 en deux. Allez, c'est parti. On va passer par ici. On les a quand même bien fait mal, hein. Ça a fait le taf. Hein. Vous visez les frelons bombardiers en premier. Look sharp, troopers. Roger that. Awaiting orders. Yes, sir. On va pouvoir se faufiler par là. Lancer un nouvel assaut. Ok, ils sont quand même chargés. Hein. Arrêtez-vous avant. Ah, mais il y a des enfoirés par là aussi. On est un petit peu loin d'eux là. Vis-à-vis des bombardiers. Même vis-à-vis des tigres. Ok, on a perdu un chiotte. En mettant un peu de flamme sur le chemin, c'est vrai que les tigres ils sont assez insensibles aux lance-flammes. Bah. Petit peu de pass-fingling, je ne sais quoi d'ailleurs. On a réussi à éliminer ça, putain il y a des flammes là. Allez, on avance. Ok, alors on n'a pas du tout éliminé ça. C'est vous. Ah les bombardiers. Repliez-vous. Fuck. Ok, prenez-vous la position centrale. La ruche est rechargée. Ce serait peut-être mieux par en haut en vrai. Non, passez par là. Et vous mettre là. Ok, on progresse. L'autre il va nous popper dans le dos. Ah putain, il va nous popper dans le dos. Attention. On va se préparer à balancer une petite grenade des familles. Ils ont beaucoup trop avancé. Reculer. La grenade. Awaiting orders. Pute. C'est chaud, hein. On recule, on va tenir la zone là. En attendant que les renforts arrivent. Sharp troopers, sir.
Ok, réinvoque des trucs. Là c'est rechargé. Là par contre faut qu'on arrive à tenir cette zone. On va foutre un mec ici. L'autre il passe de l'autre côté. Je sais pas si c'est une bonne idée. Arrêtez-vous. On va attendre que cette vague passe. J'ai pas demandé de tirer. Merde. Putain, les frelons bombardiers là ils vont faire mal. Ils sont 2000 les mecs. Ah oh, putain, on a l'entrée ici, alors c'est la zone. Okay. Déjà ça. On va pouvoir tenir un peu plus longtemps ici, si on peut dire. Compliqué cet assaut là. Vraiment compliqué. Ok, on a réussi à nettoyer ici, maintenant il faudrait qu'on avance par là. Prendre la position par là, toi va là, toi va là. Vous vous courez de nouveau par ici. Putain, on en galère encore là. C'est ouf. Ça se fait qu'on galère autant. Hein. Puis il y en a qui prennent à chaque fois des zones différentes. Pour l'instant ils tiennent, mais je suis pas sûr qu'ils vont tenir très longtemps. Avec un peu de renfort éventuellement, mais non, il reste plein de tigres. Oh putain, il y en a deux qui ressortent, demi-tour. On se replie là. On va réussir, hein. On va pousser, mais on va réussir, hein. Ok, alors c'est parti. Tac, 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 tac. Tac, en avant. Mais le 3 trucs plus la ruche là, niveau 3, waouh quoi. On va essayer de se mettre là et de tenir cette zone là, on va peut-être réussir à attirer un peu tout. Vous, vous visez les bombardiers. Vous avancez un peu mais pas trop. Ça sert à rien de progresser comme des fous et de vous faire dépouiller la tronche. C'est clair que les mecs avec des fusils à pompe, ils faisaient beaucoup plus mal, hein. Mine de rien. Ok. On se soigne. On tient la zone ici en attendant. Ils continuent de nous envoyer des trucs pendant ce temps-là. Toi, tu reviens là. Cramer un peu du monde. On va y aller un peu plus tranquille. Tu vas avancer parce que si t'as besoin de balancer un peu de grosse patate, j'ai envie que tu sois devant. D'ailleurs je pense que je vais même te mettre dans le même groupe que les ingénieurs. Ok, on essaie de progresser jusqu'ici. On a réussi à éliminer ça, ça, là c'est rechargé à fond. On va essayer de passer de ce côté là peut-être. Recule un peu toi, toi tu vas te mettre juste là, toi tu vas rester ici, l'officier stratégique là. Ça me va, l'opérateur radio ici. On a même peut-être un petit chouï avancé là. Ça va repopper là en fait. On va essayer de les attirer eux. On peut les faire venir, non, on peut pas les faire venir malheureusement. Ah putain, je pensais ça y est, c'est fait, mais non, absolument pas. Bon, on a perdu un mec. Et on a une vague de bombardiers qui arrive. Mais c'est du normal, hein. C'est même pas c'est même pas de l'assaut de ruche. Si ça y est, là celle-là elle nous lâche des trucs dans la tronche. On va balancer ça ici. Là on a plus de monde. Et si on recule, on a de la grenade. Et du dégât supplémentaire ici. Allez, on balance de la saloperie dans les dents.
pas monter de la grotte, on peut pas monter des... Faut passer devant là, c'est pas eux de faire le taf. Allez, on y va comme ça, là on progresse un peu. Toi t'es remis, avance. Du coup j'ai même pas besoin pour le moment de faire remonter des gens, on a perdu personne en vrai. Là ça va être rechargé bientôt. On va se placer pour les accueillir. Toi tu nous balances une petite mine là-dedans. Toi tu nous fais un bon tir de grenade des familles dans le tas là-bas. Ici on fout le feu. La ruche est quasi nettoyée. Enfin il reste ce truc là-bas mais... on a fait le taf sur ceux qui sont derrière, on va pouvoir avancer un peu. Toi, soigne-toi, vous, vous avancez. Soutenu par vous. Ok, on l'a activé elle là-bas. Attention aux conneries. On met une petite zone de fight là. On va les déplacer ici, toi t'avances. On n'est pas à un tout petit peu de DPS près, vous n'avez pas d'angle de tir, on va vous placer mieux. Ça arrive par derrière mais en masse quoi. On a plus de feu sur cette zone, ici on se fait un peu trop défoncer à mon goût. Du renfort. A unit has been promoted, sir. Toi, tu prends ça plutôt. Ok, la ruche est bien dans le mal. Là, on est plutôt bien placé. On arrive à tenir la zone. On va lancer de la grenade par là-bas, de la grenade par là-bas. Toi, balance-nous ça là, ici. Toi, balance-en une plus proche. Booste cela, on recule un peu, on se fait un peu de place. Ok c'est parti, ici on y va, on va envoyer, toi t'es bien dans le mal, il faut que tu te soignes. On voit un peu plus de renfort dans la ruche, des fois qu'il y a des trucs qui pop parce que là ça va repopper. Il faut qu'on tienne avec ce qu'on a là, ce qui n'est pas grand chose hein, en vrai. On va préparer un tir pour là-bas. Allez go. All hives clear. We're ready to begin our assault on the hub. Alors là par contre c'est la merde. Ok ils sont sortis, nickel. Cramez-les. Ça va être longue cette mission je sens, mais on a réussi à avancer. Parfait, on a perdu personne je crois. Sir, Intel reports a new bug threat in our sector. Super, maintenant les ruches peuvent s'agrandir. Alors on va soigner ceux qui sont dans le mal, c'est-à-dire toi et toi. Pendant qu'on y est, toi aussi. Et on progresse, peut-être par là, il y a l'air d'avoir un truc là. En avant. Donc on a de nouvelles croissances de ruches, hein. Deux croissances de ruches, rien que ça s'il vous plaît. On a une nouvelle base, avec un peu de bol on aura une petite cage de munitions pour augmenter nos forces. Il me semblait que je t'avais soigné toi, j'ai peut-être pas attendu assez longtemps. Prenez la zone là. Ok, c'est de quoi se soigner, mais c'est tout. Pas de points bonus, c'est bien dommage. Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac ou pas. Peut-être ici. Ah mais j'avais pas vu, on peut déployer... Ah mais je pensais qu'il faut que j'y aille moi. Excusez-moi, désolé. Ok, people. Let's get to the real glamorous task of reactivating these pump stations. Oh, va falloir les gérer aussi.
Ouais, putain. Sérieusement? Ouais, parce que du coup là, je peux pas passer, c'est ça? Ah, je peux pas passer. Ok, c'est à votre tour du coup. Donc, mettez-en un, et en deux, et on est parti. Ouais, faut vous mettre en frelon bombardier en priorité. Vous aussi d'ailleurs. On va garder les mecs au fusil à pompe et le capitaine et son lance-grenade pour gérer les trucs au sol. Viens à toi. On active la pompe parce qu'on a des mecs bien. Par contre, faites quoi vous? Ah putain, il y a un truc de respawn ici. You heard the suit. Babysitting squad's up to bat. Mais on peut rien redéployer. Ah non, on est à moins 3 sur 3. Ok, très bien. On peut rien redéployer. Toi, tu vas te poser à un endroit un peu dégagé, te mettre en mode tourelle. Mets-toi un peu derrière, toi un peu devant. Pas trop devant quand même, faut que la tourelle puisse. Le mec là puisse faire le taf. Waouh, ça va être chaud. Zéro compétence. Si on a un peu de grenade là. D'ailleurs, on va balancer par ici. Recule-toi. Sérieux, non? Ok, ça va. Je m'attendais à pire. J'ai vu la grosse vague là, je me suis dit. Excusez-y. We're clear. Ok, on démonte. Soigner là. Ah vache, c'est la violence. Hein. Ah, un mec d'ingénierie vide. On va pouvoir le choper. Parce que ça veut dire qu'on va avoir des grosses saloperies d'incinérateurs là. Ah, ok. Alors, il nous faut la traînée de feu. C'est par là, vous allez ici. Le bidule d'ingénierie par là. Ah d'accord, il laisse la traînée de feu derrière lui quand il marche. Ok, je n'ai pas vu ça comme ça. Ouais, ça se fait du coup. Je vais pas sortir de là. Oh, ok, merde. Petit détail que j'aurais dû anticiper. Les alliés qui restent stun comme des cons dans la flamme là. Ok, ça c'est fait. Ce qui veut dire qu'on va se faire. Ça va, vous allez être en 1 et vous 3 vous êtes en 2. Alors à quoi ça ressemble? Hop. Le geyser. On se calme. Recharger un peu. Ici on va avoir une pompe, on va même pouvoir mettre une tourelle là du coup. Nickel. On va peut-être récupérer notre... Venez là vous.
Prenez-moi ça. Toi, tu vas te poser ici en mode trépied. Le capitaine de mercenaires, il se met là, toi, tu vas te mettre là. Pump 2 back online. Ok, on va récupérer nos mecs. More arachnids inbound. Defend Hephaestar property. Défendez la propriété d'Hipster. On va les mettre en mode grenade. Ok, ils vont plutôt arriver de par là, ce qui veut dire que vous allez vous mettre là, vous allez vous mettre ici. Et on est prêt à tenir. Alert. Bug attack inbound. Toi, vous serez en deux. Terminé. Hephaestar Corp, thanks you again. With production up and running, we now need you to recapture the comm station south of your position. Don't need your thanks, just your signature on the paychecks. Les mecs qui sont jamais, ils lâchent l'affaire quoi. On va lâcher cette tourelle par contre. Hop, comme ça on récupère notre ressource. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit nid là dans le dos là? Juste pour être sûr. Ok, ça a l'air d'être à peu près clean pour le moment. Allez, progresse par là. Là on a des saloperies. Oh, ils font mal quand même. Hein. On va se tenter une réparation du coup. Il faut capturer ça. Et on va tenir après je ne sais pas trop quel côté. Combat. Je peux pas viser les ennemis parce qu'ils sont déjà morts. C'est pas très pratique. Le capitaine, il va capturer ça. On va mettre un mec là, on va mettre toi là, on va certainement devoir défendre, donc on va poser une tourelle ici. Ok, non, c'est bon, on les perd. That won't be necessary. Hold position and ensure those bombs stay running until we've secured this whole sector. La tourelle était détruite, parfait. You hired us to kill bugs, not sit around as your wrench monkeys. I never joke, Fraser. Not with company funds on the line. It's just a brief alteration to our contract. The mobile infantry are now our preferred security force. You want in on the fight, Merc? Then enlist. Service guarantees citizenship. Now that you've secured the perimeter, I'll send you the gate codes, Captain. Good luck in there. Infantry teams, let's form up on one of the gate entrances and take this base back. Alors, on est parti. On fait nos groupes du coup. C'est parti. Non, c'est eux que j'ai dit. Oula, excusez-moi, j'ouvre la console en misclickant. On va vous mettre en face de la porte. Tant qu'à faire. Comme ça, vous, ici, l'officier stratégique, il prend la petite. Le petit terminal. Oh putain, on a des immolateurs. Ouais, alors franchement, face à des immolateurs, tu vas faire moins le malin. Ouais, alors là, franchement, c'est la merde. On se recule. Reculez, partez par là si vous pouvez les attirer un peu. Engineers, follow me.
Stash your tools and roger that. Engineers, follow me. Affirmative. Roger that. Quoi? Ok, ça fait le taf. On s'en est pas trop mal tiré. On va renvoyer les ingés devant. Pour le plaisir, détruisez tous les convois conduits à parasites. Ah, du coup, ça s'est ouvert partout. Ah bah alors, s'ils nous lâchent des trucs dans la tronche, on peut invoquer du coup? Ah, on peut invoquer des bipèdes. Parfait. On va invoquer quelques bipèdes avant d'aller plus loin. On va juste se mettre en position à l'intérieur. En avant. On les attend pendant ce temps-là. Un petit soin tant qu'à faire. On n'a pas la place, tant pis. Ils ont gardé nos options de tir, ça c'est plutôt cool. Du coup, il y a la ruche qui est là et elle a foison de monde. Donc la première priorité, ça va être très clairement de détruire les trucs de parasites. Ils peuvent venir par là. Toi tu viens là. Oh, vache, il se fait défoncer. Toi là. Occupe-toi de cet émulateur. On soigne. On va crever sous l'explosion, je pense. Vous venez filer un coup de main là. Ici, il faut qu'on se retape en balançant un petit peu de sous-munition là. Toi tu soignes. On va perdre les bipèdes je pense là. Non même pas. Waouh. Ok, on avance un peu. Toi, recharge-toi. Ici on se retape. Ici on balance une petite grenade des familles. Là faut que tu ailles te soigner. Après tu retapes ici. Vous me retapez cet enfoiré. Reste là toi. Car on n'a pas pu soigner du coup. Toi t'as dû récupérer ton soin. Avancez un peu vous. On va prendre le pompe. Passez par là. Vous posez moi une tourelle juste ici. Les autres ils sont retapés. On va avancer un peu. Posez nous une tourelle là pour gérer un peu ces enfoirés. Progressez par là vous. On va tuer ce conduit à parasite, ça sera fait. That's it. Close up the vents. Seal them underground where they belong. Ok, on avance avec eux, on avance avec eux. On va leur taper ça. Ici, une deuxième tourelle. Là, il y a la ruche. Ils sont où ces trucs? Il y en a un tout là-bas. Putain, quoi. Et un tout là-bas. Ok, 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 très bien. On est retapé, on avance. Vous avancez, ok, plutôt par là, demi-tour. Et du monde par ici. Balancez-moi quelques sous-munitions là, par le taf. Lui il va nous charger, mais il est coincé. On va essayer de passer par là pour aller gérer le. Les tourelles vont jamais vers ici. D'accord, très bien, c'est la merde. Demi-tour. Qu'est-ce que vous faites vous? Ok, on va essayer de passer par là, on va aller s'occuper du truc en premier. Non, on peut pas faire venir de renfort. Ah, ici, ils peuvent venir par là aussi. Ok, on a géré ça. Nickel, encore mieux. On peut quand même progresser par ici. Alors, on va avancer en haut. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va mettre une toile là. Une toile dans ce grenade là.
avancer. Ici, le petit pont. Ah merde, on a perdu notre notre truc de l'ingénierie là. Reculez. Gère ça toi. Venez là, venez là. Il nous en faut un autre. Est-ce qu'on va pouvoir le faire venir? Ça c'est la question. Ici, on fait une autre tourelle. L'objectif ça va être de maintenir ça à l'arrière. De maintenir derrière le... les mecs un petit peu énervés. Essaye de nous rejoindre toi en passant par là. Toi tu te soignes. Ici on avance un peu. L'officier stratégique il avance un peu, l'opérateur radio il avance un peu. Il avance un peu, on a plus quoi faire de tourelle, ça me va. Toi tu vas taper ça. L'autre bipède, il va venir ici. Il va falloir qu'on aille le retaper. Alors la question c'est ce que ça va faire suffire. Ouais, à peine. Franchement, à peine, il va falloir qu'on laisse un mec derrière pour aider. Ou un bipède. Ouais, juste un bipède, ça devrait suffire. Enfin, après, ce qu'on peut faire avec un bipède devant. Peut-être. Peut-être, peut-être. Non, je pense qu'on peut pas. Faut qu'on embête nos bipèdes avec nous. Ici, un conduit à parasites supplémentaire, on va avancer. Ici, ça va se recharger bientôt. Toi tu restes là, un peu à l'arrière, tu vas te permettre de tanker. Là. S'il faut qu'il passe devant lui. Reculez parce que vous vous faites péter la tronche. Reculez je dis. En plus ça va nous popper dans le dos là. Viens là, bougez-vous. On se réorganise un peu. Toi tu vas te mettre ici parce qu'il va certainement y avoir des saloperies qui vont sortir. Ouais, voilà, on y est. Reculer un peu. On se répare. Ok, on avance. C'est géré, on avance. Alors, il y a un tunnel à parasites ici. On va se le faire. Et on va arrêter l'épisode là parce qu'il fait bientôt une heure, c'est là où je m'entends, tant pis on va le faire en deux parties celui-là, parce qu'on n'a pas terminé, hein. Il faut qu'on fasse tous les tunnels de parasites, puis qu'on gère les ruches, donc il faudra peut-être qu'on fasse un deuxième tour. En attendant, on va s'arrêter, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite, ciao ciao tout le monde.